Soyez bénis. Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Amen. Jésus-Christ pour seulement. Vivez pour Jésus-Christ seulement. Je vous dis en vérité, hein. Si on travaille pour Babylone, on fait avancer la cause du diable. Parce que c'est son système, le système des hommes. Mais quand on travaille pour Jésus-Christ, on fait avancer la cause de Jésus-Christ. Vraiment. Ah, frère Christ, sœur Christ. Ce qu'on dit n'est pas populaire. Voilà pourquoi j'ai même voulu créer cette chaîne à côté. Parce que je savais que beaucoup de gens ne devaient pas être intéressés par ce genre de message. Parce que justement, ce sont les choses qu'on ne nous enseigne pas dans les églises, qu'on découvre de nous-mêmes, qu'on prend conscience et après des années passées en train de vivre une pseudo-foi, on se rend compte qu'on doit vraiment vivre une vie dédiée pour Dieu. Souvent, c'est très très difficile. Mais que Dieu nous fasse grâce à tous. Amen. Je sais que beaucoup de gens vivent des moments difficiles, des moments de doute, des moments de lutte intérieure, de réflexion, de pensée. Jetez-vous seulement dans les bras de Jésus. Œuvrez pour lui. C'est pas qu'on vous demande de faire Jésus-Christ seulement parce qu'on est contre le système. Moi, je suis pas anti-système. Hein. Si c'est pas Jésus, je suis dans Babylone, je suis heureux. Mais parce que le Seigneur a besoin de tous ses enfants, parce que le Seigneur a besoin de vos vies, votre temps, vous êtes précieux pour lui, vous êtes son armée physique, parce que le Seigneur veut vous utiliser puissamment, voilà pourquoi je vous demande de quitter vos vies et de venir œuvrer pour Jésus, de dédier votre temps le plus précieux à Christ, et pour cela. Amen. Pour cela. Si ce n'était pas pour quitter le monde pour Christ, à quoi bon quitter le monde? Tu peux rester en Babylone, faire carrière dedans, pas de problème. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu sait ce que tu peux faire pour lui si tu as plus de temps pour lui. Dieu connaît, il voit, il connaît, il sait ce qu'il t'a remis, il sait ce qu'il t'a donné comme capacité, comme don pour son royaume. Et il a besoin que tu offres pour lui. Il a dit lui-même que la moisson est grande et la labeur sont peu. Vas-tu être de ceux qui vont donner leur vie vraiment pour que le Christ puisse faire en son royaume pour que d'autres personnes puissent être sauvées. C'est l'appel de tous les enfants de Dieu sur terre. Mais à cause du monde, du système mondain, depuis des siècles, ça s'est fait diluer et aujourd'hui les gens ne savent même plus c'est quoi être en Christ. Être en Christ, c'est être en Christ seulement. D'où Jésus-Christ seulement. Amen. Dans les idées de maison, de dette, de facture, te reviennent à l'esprit, je sais tout ça. Mais aie confiance en Dieu. Dieu va te guider. Désire. Œuvrez pour lui à temps plein et il t'ouvrira les portes. Il t'assistera. Amen. Dieu a besoin de ses enfants. Il y a beaucoup encore à faire. Beaucoup d'âmes n'ont pas encore reçu l'évangile. Il y a encore beaucoup de prières à donner. Mais tout ça, il te faut du temps. Voilà pourquoi Dieu te dit, quitte Babylone. Dieu savait qu'en Égypte, son peuple ne pouvait pas l'adorer. Parce que son peuple était esclave. Un esclave, il ne peut pas bien prier. Quand il prie, il est perturbé par ses problèmes d'esclavage. Mais quand Dieu t'a affranchi et que tu es maintenant libéré de tous tes fardeaux, de tous tes Goliaths, etc., etc., maintenant tu peux maintenant adorer Dieu dans la paix, le calme. Je veux dire. Donc, vraiment, j'encourage à vivre pour Jésus-Christ seulement et à prier pour cela que Dieu vous fasse grâce. Amen. Soyez bénis abondamment en Christ notre Sauveur.